bien bonjour à toi, cher viewer, cher abonné, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Wartell. Comme tu peux t'en souvenir, la dernière fois, on était donc revenu à Stormcap. Et l'objectif aujourd'hui est de trouver notamment du tissu pour pouvoir forger des armes de meilleure qualité et des armures pour notre groupe. Car on sait que les nouvelles régions sont beaucoup plus compliquées. Il y a eu un nouveau DLC qui est sorti. Bon, évidemment, je tâcherai de l'acquérir plus tard. On fait dans l'ordre des DLC, déjà finir l'aventure principale. Et là, il y a la taverne en ruine. Donc ça, c'est un bâtiment à acheter. Mais bon, pour ça, il faut le DLC. C'est comme pour le bateau en bord de mer. Bon, ça, c'est pas l'objectif premier pour le moment. On va regarder au niveau des marchands. Voilà, malheureusement, il n'y a pas de tissu. Il n'y aura pas de tissu non plus de ce côté. Au niveau nourriture, on est large. On n'a plus beaucoup d'argent, donc il va falloir aussi accepter des contrats. Bon, là, il n'y a pas de tissu non plus. Au niveau du sel, on va en racheter un petit peu. Voilà. Au niveau du blé, on est comment? On va en racheter un petit peu aussi. Par contre, au niveau du poids, faut qu'on fasse attention. Je crois qu'au niveau de la forge, on avait à peu près tout vendu. Ah oui, c'est la quête. C'est la quête du civil. C'est vrai qu'il est avec nous, il va coûter plus de nourriture. Ah oui, on est repassé à 38. On est repassé à 38. Mais bon, c'est pas grave, ça on va ressortir. Ah non, la taverne. Les choses dans l'ordre, la taverne, voilà. On va aller voir l'émissaire. On va regarder les contrats. Alors, ici, la bande de Lassinus. Il nous faut de l'argent, de toute façon. Il nous faut de l'argent. Voilà, on va utiliser un peu de points pour augmenter le prix négocié. On n'en a presque plus. On va accepter l'offre. Voilà, ça c'est fait. Voilà, celle-ci, est-ce qu'on la négocie? Non, on n'en aura plus assez. On va peut-être demander une... On fait un peu plus court, voilà. Bon, ça fait une petite augmentation. C'est passé, on accepte. Voilà, comme ça c'est bon. C'est bon. Voilà, on ressort d'ici. On ouvre la carte. Sans plus attendre, on se dirige vers les contrats. Et puis on accoste tous les marchands qu'on peut avoir sur le chemin. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier... Donc là, des hommes en armes, mais je pense pas qu'ils ont quelque chose à vendre. Voilà, c'est la garde. C'est la garde. Bon, la prison, je ne pense pas qu'ils vendent quoi que ce soit. Bon, on descend ici. La mine de sel. Je crois pas que le... On peut regarder à tout hasard, mais bon. Bon, par contre, il y a du minerai à miner, donc la Maximiliano... Va s'en donner à cœur joie. Voilà, ça y est. Très bien. Très bon travail de Maximiliano. On sait qu'on peut compter sur lui. Il a trouvé du saphir et des agglomérats. Parfait. Donc là, on va pas voler. Ah, il y a encore du minerai ici. C'est bien, il y a des nouveaux filons qui ont été dégagés par les mineurs. Ils nous en font profiter. Donc ça, c'est bien parce qu'on a aidé plus tôt dans la partie. Voilà, bon là, voilà, encore 9 minerais de fer, parfait, ça nous sera très utile, bravo Maximiliano. Est-ce qu'on s'approche du contrat? On s'en approche, c'est sous le moulin. Donc là c'est des réfugiés, il n'y a pas de marchands malheureusement. Là on est au pas de course, on se dirige vers eux, essayer de les prendre par surprise. Voilà, oui donc ça va être rapide, mais au moins ça nous fera une bonne paye. Qui sont 4. Allez, on place Maximiliano. Lombardie ici. TLRC ici. Alexide ici. Monique ici. Et Chapolo ici. Donc là, le premier à frapper, ça va être celui-ci. Donc on va s'en charger avec Monique. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Détruit. Du coup, ensuite... Donc là, c'est le chef qui va attaquer le suivant. On y va avec Lombardie. On va se placer ici.
Bombardier qui prend le chef d'assaut. Bon, le chef est plus solide. Hein. Alexis. Bon, Alexis, il va occuper ce pillard. Voilà, parfait. Est-ce que ça vaut le coup qu'on... Non, on va pas utiliser les points bêtement. On se place ici. Voilà, très bonne entaille ici de Maximiliano qui fait tomber l'ennemi. Chapolo, est-ce que Chapolo peut se placer? Je sais pas là si ça va être notifié qu'il est de... Je crois pas que ça va être notifié qu'il est de dos. Voilà, parfait. Bon allez, là, le chef va frapper Lombardi. Voilà, la riposte, la riposte. Bon là par contre il faudrait s'occuper de l'autre. Donc pour ça on va employer TLRC et Sébastien. Voilà, parfait. On fait de même avec Sébastien. Et voilà, Sébastien qui transperce l'ennemi. Magnifique. Voilà, ça c'est fait. Alors là, Ackert. Ackert, il peut venir jusqu'ici. Taurus, il est en retrait. Bon, il a moins de portée de déplacement, on s'en souvient. Axe, il va venir par ici. Voilà, et on passe au tour suivant. Alors là, on y va. Alors du coup, Chapolo, il se place derrière. Voilà, comme ceci. On va zoomer un petit peu. Le Chapolo qui l'égorge. Magnifique, avec son bandana. Encore une fois, un gros travail de Chapolo. Et on a gagné. Et du tissu. Génial. Un basset caporal. 9 pièces d'or. Un basset caporal, on va voir ce que ça vaut. On utilise un matériau. Axe monte en niveau. Parfait. Alors, Axe niveau 6. Donc là, ça nous propose d'augmenter la constitution. Donc constitution plus 2, santé plus 4, dextérité. On va augmenter la constitution quand même, pour qu'ils soient un peu plus solides. Voilà. Et Alexis. Donc Alexis, lui, arrive au niveau 5. Ça, c'est parfait. Alors, dégâts et critiques augmentés de 20% contre les unités et en moins un malus. Tant qu'il y a au moins deux ennemis à moins de 6 mètres, cette unité à protection. Dégâts infligés à l'armure augmentés de 35%. Dégâts critiques augmentés de 20% contre les unités ayant moins un malus. Ça peut valoir le coup, on va prendre ça. Donc là au niveau du mouvement, donc la volonté c'est bon. Encore la constitution aussi, là ça augmente le transport. La santé et les points de vie. Voilà, parfait. Et on a du tissu, très très bien. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant on va se repérer sur la carte et on va se diriger vers l'autre contrat. Encore une fois, en repérant les marchands. Allez, on se déplace. Voilà, on y va au pas de course. Il va bientôt falloir se reposer. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à ramasser? Non. Attention de ne pas avoir la zone de fatigue. Ah, des ressources ici, du bois. On va le ramasser. Du bois et de la graisse, parfait. Voilà, ça y est, il faut se reposer. Alors au niveau des voix, on a débloqué quelque chose, préservation, venir deux combats sans blessure, voilà on prend. Alors voilà la troupe, est-ce que la caméra n'est plus dans le bon sens, ah si c'est bon. Est-ce que Lombardi peut nous faire quelque chose, il peut nous faire 5 pains, on va en profiter. Voilà parfait. Alors ici, bon évidemment on a le personnage en plus, on le sait. Donc là on va utiliser... Voilà, déjà la viande d'ours, on va prendre deux pains, le poisson, du porc grillé. Voilà, on est à 38. Bon, c'est pas grave, on va nourrir ce monsieur. Mais bon, là, vu la nourriture qu'on a en avance, c'est bon. Axe, encore un peu et je vais me faire un nom. Même la Légion voudra embaucher un guerrier comme moi. Ah, voilà, Axe, très fier. Alors, suggéré par Alexis D, obtenir 91 points d'expérience, mais il vient de gagner en niveau... Sinon, célébrer sa réussite avec le groupe. Ou alors, obtenez un point d'attribut. Non, les points d'expérience, c'est pas très utile. En relation, il est comment, Axe? Ah, il tolère Monica Chapolo. On va prendre ça. Plus un de relation avec les compagnons proches. Voilà, Axe et Chapolo, ça s'est amélioré. Axe et Ferdinand, ça s'est amélioré. C'est toujours ça pour l'entente du groupe. Là, il y a Sébastien qui étudie le monolithe. Parfait.
Allez, on ressort. Encore une fois, là, il y a du fer. Ça nous est très utile pour les armures. On va retourner voir dans la mine des écrins. On ne sait jamais s'il y a des ressources. Et encore une fois, du minerai. Parfait. La Maximiliano qui s'en donne à cœur joie. Alors on a raté. C'est pas grave. Et un saphir, c'est bien, ça ferait de l'argent. Allez, on continue. Voilà. Belle synchronisation. Bon coup de pioche. Un rubis, un saphir et deux agglomérats. Très très bien. Encore ici. Voilà, on n'oublie rien. On n'en laisse pas en route. On n'en laisse pas pour les brigands. On n'en laisse pas pour les voleurs. La troupe de Lombardie, là, c'est important. Et encore un rubis et deux agglomérats. Très très bien. Bon, cette fois, on a fait le tour. Et par contre, on est trop chargé. Ah oui, on est beaucoup trop chargé. Ah, il va falloir jeter des choses. Améliorer votre attelage ou décharger des objets lourds. Et bah pourtant, on a trois poneys. Est-ce que Axe pourrait nous faire quelque chose pour améliorer le... On pourrait faire le lutrin, mais ça nous coûterait deux tissus. Et par contre, ça y est, comme ça, ça pourrait enfin lancer Sébastien. On va le faire, c'est pas du tout ce qu'on cherchait. Mais bon. Le lutrin, là, on va le placer. Ça résout pas du tout le problème. Non. Voilà, le lutrin, on le place ici. Sébastien, on le met à étudier ceci. Et voilà, comme ça, l'étude en cours sera terminée dans 7 repos. Par contre, il faut absolument faire de la place. Voilà, c'est avec grand regret qu'on s'est séparé des bouteilles de cidre et des bouteilles de vin. On va de ce fait retourner à Strongcap pour vendre le surplus et essayer aussi d'aller voir l'atelier d'alchimiste pour pouvoir, avec notre alchimiste, utiliser des produits. Et essayer aussi d'aller à la forge parce que là, on est beaucoup trop chargé. On est à la limite. Voilà, nous revoilà à Strongcap. Alors là, d'entrée, on va déjà vendre le surplus à la forge, au forgeron à Maître Ulan. Alors on va rechercher les babioles. Donc là déjà, babioles, voilà, on s'allège un petit peu. Bon, écoute, je fais ça de mon côté pour que ce ne soit pas ennuyant pour toi. Et je reviens vers toi. Donc les rubis, on peut les vendre. Les saphirs aussi, on en a 4. Manuel d'anatomie, on peut le vendre. Le bassinet en fer qu'on a trouvé, on peut le vendre. Là, les poteries, je sais pas ce qu'on peut en faire, les marchandises. Donc on va les garder. Même si c'est assez lourd, hein, 14 kilos. Le bois, c'est extrêmement lourd aussi. Le cuir, le minerai de fer, et par contre les carcasses. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça, je ne sais pas. On va déjà voir ce qu'on peut faire à l'atelier d'alchimie. On ressort de là. Et on va voir l'apothicaire. Alors, qu'est-ce que va pouvoir nous faire à Kert? Rien du tout. Bon, bah comme ça. Ça aurait permis aussi de... Ah, il faut des fioles. On pourrait faire des remèdes. Ah ben, on va acheter des fioles. Bon, voilà, on les achète toutes. Et on va faire des remèdes. Voilà, 10 remèdes de créer. Et Akert devient alchimiste confirmé. Voilà, une excellente nouvelle. Là, on est déjà un peu moins chargé et on a beaucoup de remèdes pour se soigner. Parfait. Au niveau des voies, on a débloqué quelque chose. Alchimiste, fabriquer 5 rochettes d'alchimie de tier 1. Parfait. Ah ben, voilà, il y a plusieurs fois. Il y a 3 fois. Donc là, on retourne à la forge avec Monique. On va voir ce qu'elle peut nous fabriquer pour qu'on puisse aussi utiliser le bois, le cuir, le minerai. Et ça léger un petit peu. J'ai là une cuirasse fantôme pour Lombardie. Voilà, ça utilise 2 tissus. Du cuir blanc, 9 minerais. Et du charbon. On va faire ça. Allez, Monique. Là, il faut pas se rater. Bon, on dit ça.
3 sur 4, c'est toujours ça. La qualité supérieure, garde plus 20, armure plus 54. Donc déjà, on va aller voir pour Lombardie. Alors on a moins 5% en critique, moins 1 en volonté, moins 2 en mouvement. Mais on a plus 2 en garde et plus 25 en armure, c'est beaucoup mieux. Voilà, parfait. Donc l'autre armure lourde, on va voir si on peut l'équiper à quelqu'un. Voilà, par contre, c'est un peu juste au niveau du mouvement. Il n'est déjà qu'à 10, Taurus. Est-ce que Maximiliano, ce serait mieux? Ah oui, garde plus 5, armure plus 16. Le mouvement, il est qu'à 9. Mais bon, on peut lui augmenter son mouvement, ce serait beaucoup mieux qu'il soit mieux protégé. Voilà, on la met à Maximiliano. Du coup, celle-ci... Bon, celle-ci, elle est moins bien, donc ça, on va la vendre. Le Arnois d'Alazar. Voilà, déjà, ça va nous alléger. Voilà. Allez, on continue. Ah, on n'a plus de charbon. On n'a plus de charbon. Il va falloir en acheter. Voilà. Alexis D avec son 28 d'armure, c'est beaucoup trop insuffisant. Donc là, pour Alexis, on va lui faire une armure lourde également. Il le mérite. Allez, cuirasse fantôme. Voilà, ce sera de bonne facture. Garde plus 20, armure plus 54. On va l'équiper Alexis. Ah oui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. 67 d'armure. Du coup, ça, une armure légère. On va voir par rapport à la carte. Elle serait mieux. Donc ça ferait gagner plus 3 en armure. Voilà, on va la mettre. Et ça, on va pouvoir le vendre. Et on va aussi pouvoir équiper le renfort d'armure. Non, ah non, Lombardie sera bientôt au niveau 6. Donc on le mettra à Lombardie, le renfort du cerf, sur l'armure de la cuirasse fantôme. On va voir maintenant si on peut faire des armes de qualité. Ah non, les armures fantômes, on les a pas débloquées encore. Il faudrait pouvoir débloquer les... Il faudrait pouvoir débloquer de meilleurs arcs. Arc de guerre, non, là c'est mieux que arc long. De pouvoir débloquer de meilleures armes, pardon. Donc falchion en fer, hache en fer, hache en fer, hache en fer, masque clouté en fer, lance en fer. Au niveau des armes, je crois qu'on était bon. Chapeau lourd à la dague en fer. Donc ça, c'est bon. Bon, c'est déjà mieux. Mais il nous faudrait débloquer le plan pour faire les armes fantômes aussi maintenant. Donc déjà, on va vendre ceci. Voilà, on est déjà moins chargé, c'est parfait. Les carcasses fantômes, on hésite quand même à les vendre. Parce que c'est marqué viande, mais on peut pas les manger. Du coup, on va aller les vendre au marché. C'est beaucoup trop lourd, on est surchargé pour rien. C'est inutile, c'est inutile. Voilà, il vend toujours pas de tissu. On va lui vendre. Sans ça nous est pas utile. Voilà, 257, c'est beaucoup mieux. On est allégé. Bon, par contre, on va racheter des ressources. Un peu de sel. Un peu de poulet. Un peu de mouton. Quelques fruits. Voilà, c'est bon. Non, le blé, on peut en prendre plus. Par contre, l'argent, il faut faire attention. Là, ça baisse, on va aller à la taverne. Récupérer notre contrat. Voilà, on remonte à 728, ça va mieux. On pourrait négocier celle-ci. Bon, là, on va pas augmenter le prix. Par contre, on prend l'offre. Voilà, c'est tout prêt en plus. Allez, on est parti faire la suite de ces contrats et encore trouver des ressources. Allez, on va se déplacer vers le nord avec la troupe, et on se retrouve lorsqu'on a trouvé les ennemis désignés sur le contrat. Voilà, on a trouvé le groupe. Voilà, ils sont au niveau 1, ça devrait être rapide. Comme ça, on pourra reprendre l'argent. En plus, ils ont été surpris. Mais bon, moi, ça va permettre à Lombardie
de monter en niveau et on pourra lui mettre le renfort du cerf. Il faut penser à tout, hein, véritablement. Donc là, en premier, c'est celui-ci qui va attaquer. Maximiliano n'a pas la portée. On va y aller avec Alexis. On va attaquer celui-ci. Alors, le coup critique, parfait. On va se mettre là avec TLRC. Après, on pourrait l'arrêter pour l'amener à la prison. Et on va le faire. Ça fera de l'argent. Voilà, il est assommé, parfait. La chapolo. On n'a pas eu la possibilité. Il est tombé avant. Alors la Lombardie. Lombardie n'a pas la portée. On va venir ici avec Axe. Voilà, il est touché. La Lombardie n'a toujours pas la portée. Monique. Bon, Monique, là, elle va pas gêner. Marche pas sur le piège, Monique. C'est bon, on l'a évité. Oh, le coup critique de Monique, incroyable. Oh bah dis donc, c'est du rapide. Rondage de caporal, deux huiles de poisson. Un marteau, on va pouvoir le vendre. Parfait, ça va nous remonter l'argent. Par contre le bouclier, on va regarder ce que ça vaut. Donc lui il a été fait prisonnier. Et voilà, Lombardie monte en niveau. Excellente nouvelle. Alors pour Lombardie, on va peut-être lui augmenter son mouvement en faisant le plan de carrière. Parce qu'avec l'armure lourde, il y a quand même du malus. Il aura un peu plus facile de se déplacer, voilà. Et par contre, ça y est, on peut lui mettre le renfort du cerf. Force plus 2 et armure plus 9. Alors, Lombardie. Voilà, parfait. 84 d'armure, 18 de force. Très bien. Ah bah voilà, par contre, Alexis qui avait toujours le couvert de tonneau. On va lui mettre la rondage du caporal qu'on vient de trouver. Plus 3 en garde, plus 5 en armure. Voilà, les personnages, ça y est, ça va mieux, on s'équipe mieux, ça on va pouvoir le vendre. Ça nous fera une rentrée supplémentaire d'argent. Très bien. Allez, on retourne de ce pas à la ville, chercher notre contrat. Et aussi, on va livrer le prisonnier. Allez, nous voilà, Stormcap. L'heure du repos. Voilà le bandit. Il est blessé, j'espère qu'il va pas se sauver. Allez, on va quand même le surveiller et le mettre près du camp, voilà. Est-ce qu'on peut l'assigner au puits? Ah, on peut l'assigner au puits, on lui donne une tâche à faire. Voilà, comme ça il sera utile. Axe, est-ce qu'il peut nous faire quelque chose de nouveau? Non, toujours pas. Lombardie, est-ce qu'il peut nous faire à manger? Oui, ça c'est bien. Il peut nous faire du chou farci. Voilà. On a gagné un point de connaissance. On va en profiter. Le compendium, il faut regarder. Voilà, on a dit les armes pour Axe. Donc là, c'est le givrassier. Là, c'est le givrassier aussi. Il faut débloquer les armes. Mâche fantôme, hache fantôme, glaive fantôme. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. On prend. On en a absolument besoin. Voilà, le mouton cul à point. On le fait. Comme ça nous allège aussi. Le poulet braisé, on peut en faire un, puisqu'on en a acheté. Voilà. Le pain. On est bon. Voilà, on a tout fait. C'est parfait. Au niveau des voix. Alors voilà, on gagne un point ici. Ah bah là, on est à 40, mais bon, c'est logique. Alors, on va mettre du porc, du pain, des fruits. Un poulet. Ah non, le poisson, il a pas été préparé. Donc voilà, qu'est-ce qu'il manque? On va mettre des champignons. Voilà, on est à 40. Vivement qu'on redescend déjà à 38 en livrant le prisonnier. Voilà, la troupe s'est reposée. Parfait. On va à la forge, on va vendre ce qui nous est pas utile. On remonte à 783.
Très bien. Alors là, gagner 200 d'influence, c'est bien, on gagne un point supplémentaire. Allez, on peut ressortir de là. Donc on va retourner livrer le prisonnier. C'est parti. Voilà, on arrive à la prison. Allez, livrer un prisonnier. Voilà, 55 pièces d'or, c'est toujours ça. Il nous reste 2 chaînes, donc ça c'est bon. Voilà, il a été livré. Et nous, ça nous fait de l'argent. Allez, on retourne vers la ville, chercher notre contrat. Voilà, nous voilà à la ville. Donc on va à la taverne. On collecte la prime, on regarde s'il y a autre chose. Non, il n'y a pas d'autre contrat à part celui qui nous reste. Donc ça c'est bon. Et maintenant on va aller à la forge pour voir si on peut pas fabriquer des armes fantômes. Ah, toujours encore une fois, c'est le charbon qui manque. Hein. Du charbon. On va voir si on peut lui en acheter. Il en a pas assez. On va aller voir au marché central. Ah non, il n'a pas de charbon, malheureusement. Bon, on va déjà essayer de faire une arme, ce sera déjà ça. Alors, par rapport au glaive fantôme de Lombardie, force plus 6, compétence taillade. Et là, ce serait force plus 8. C'est pas mal. Surtout si on arrive à l'améliorer. Allez. Voilà. Et voilà. Force plus 11. Ah bah c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc pour Monique, ce serait une hache en fer. On peut pas faire la hache fantôme, il nous faut encore 4 charbons. On va essayer d'en trouver. En attendant, on va équiper ça à Lombardie. Voilà. Par contre là, le falchion en fer, on va voir si on peut le mettre à quelqu'un d'autre. Bon, c'est impossible de l'équiper à qui que ce soit. Du coup, on va le vendre. Alors on repasse les 1000 pièces d'or, ça va mieux. Ça va mieux. Forger 5 armes, armure de tier 3. Voilà, parfait. Du coup maintenant, on se dirige vers l'autre contrat. Allez, je te dis à tout de suite. On s'est fait attaquer par des loups fantômes. Bon là, on va en profiter. Hein. Même si on est fatigué, ça fait quoi le malus? Force de dextérité augmentée de 30%. Bon, par contre, ils sont à bas niveau. Donc je pense que ça va pas poser souci malgré tout. Ça nous fera du cuir blanc. Allez, TLRC. Voilà, celui-là, c'est terminé. Ensuite, Monique. Alors comme ça, Lombardie a pu utiliser sa nouvelle arme. Allez, Akert. Alexis D avec sa nouvelle armure. Voilà. Taurus. Qui fait un coup critique. Parfait. Du coup, 5 cuirs blancs, de la viande, des globes oculaires, des crocs, la viande de loup, les carcasses, je pense qu'on va les laisser. Ça pèse beaucoup d'argent pour rien. Et maintenant, on va se reposer. Voilà, le civil de la zone d'à côté va se rendre utile. Donc on a assigné le compagnon. Voilà, c'est parfait. Là, il faut verser la solde. Voilà. On va utiliser la viande de loup qu'on vient de trouver. La saucisse. On est à 38. Parfait. Voilà, 20 d'influence. Alors, Akert, je suis sûr que ce n'est qu'une petite crampe d'estomac, rien de grave, les loups arrivent bien à manger cru, pourquoi pas moi? Aïe!
d'un aliment frais pour limiter les dégâts. Oui, évidemment, on utilise les pommes. C'est pas un souci. Le but, c'est pas qu'Akert soit malade. Allez, on se dirige vers le contrat. On sort de la forêt. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres ennemis. Faire attention aussi à la tempête de neige. Bon, on a déjà bien avancé au niveau des armes fantômes, mais il va falloir continuer. Je pense qu'on continuera dans la prochaine session. Car comme l'a dit si bien Chapolo, fidèle suiveur et également membre de la troupe, il faut absolument que tous les personnages soient équipés en armes fantômes. Par contre, je ne les vois pas. Où sont-ils ? Les voilà. Ah ben, ils étaient bien cachés. On est passé à côté, on les a pas vus. On va attaquer dans le dos. Voilà, parfait. Ça nous fera une rentrée d'argent supplémentaire. Ah, ils sont 7 quand même. Ça rigole pas. Du coup, il faut mieux se placer. Bon, là, ils sont encerclés. Mais bon, quand même. Où est Monique ? Monique est ici. Comme Monique est ici, elle va attaquer. Voilà, là, c'est fait. On a déjà la galvanisation, parfait. Du coup, Monique va attaquer le suivant. Voilà, parfait. Elle en a battu deux, elle toute seule. Alors, ensuite... Maximiliano, il va attaquer celui-ci. Voilà, parfait. Ah là, c'est celui-là qui va attaquer. Donc là, c'est Lombardi qui va aller s'en occuper. Ah voilà, ah bah magnifique. Il est au sol. Ensuite, c'est le braconnier là-bas qui va attaquer. On va avancer un peu avec Lombardi. Chapolo. Allez, Chapolo, je compte sur toi. Il m'attaque ce braconnier. Ah, il lui reste un point de vie. Quel dommage. Un Chapolo qui se prend un coup de poing. C'est pas ça qui va l'arrêter. Victorius, il va monter par ici. Voilà. Alors, Sébastien. Donc, Sébastien qui est dans la boue. Donc, Sébastien, il va se mettre ici. Voilà, parfait. Est-ce que si on fait ceci... Ah bah ça pourrait l'achever. Voilà, parfait. Là, malheureusement, Akert n'a pas assez de portée. On va le faire arriver jusqu'ici. On va jeter le poison en espérant que ça ne touche pas Monique. Non, c'est bon, voilà, il est empoisonné. Très bien. La TLRC, lui, il va sortir de la zone de boue. Voilà. Là, c'est la chef. C'est la chef, elle va attaquer qui ? Ah, elle a frappé Maximiliano et Akert. Attention. Et Akert, toujours très mal protégé, hein, malgré tout. Je suis pas sûr que Axe aura la portée. Non, pas du tout. Du coup, là, c'est le... Ouh là là, Akert ! Attention, un combat qui est censé être facile et qui finalement ne l'est pas. Alexis est coincé dans la boue. Allez, ne nous faisons pas prier pour les finir ici. Voilà, ça c'est bon. Alors là, Akert. Voilà. Attention, le poison. On vient ici. Elle est empoisonnée aussi, mince. Voilà, la chef, elle tombe. Non, pas de fuite, certainement pas. Et là, on va se placer derrière celui-là. Et on va peut-être le capturer. Oui, on va le capturer. Comme ça, on pourra le donner à la prison. Alors, 29 pièces d'or, une armure. Une dague de meneur. Et du fer. Donc l'armure à vendre. On va la placer en bas. La dague à vendre. Il y en a une autre. La dague à vendre.
Non, il faut la placer mieux que ça. Hop. Voilà, tout ça c'est à vendre, c'est parfait. On utilise les matériaux. Et par contre, voilà, elle, on va la livrer avec plaisir. Allez, on peut ressortir de là. On ressort au petit trot. Non, la sortie c'est par là. On va utiliser un piton hein, pour pas faire tout le tour. À moins qu'on puisse... Ah non, c'est bon, on peut redescendre ici. Allez, on va au pas de course vers la ville et vers la prison. Voilà, à la forge. Ah, il a de nouveau du charbon. Parfait, on va lui acheter. Ça, on vend, ça, on vend, ça, on vend. Voilà, parfait. Du coup, avec le charbon récolté, on va voir si on peut pas faire quelque chose de plus. Ah, il en manque un seul, c'est dommage. On va regarder au marché central. Donc, il a pas de charbon. Il n'y en a toujours pas, c'est dommage. Par contre, on va racheter un peu de blé, un peu de sel. Bon, les pommes, on en a utilisé une pour Akert, voilà. Ah bah là, c'est en solde. On va tout acheter. Voilà. Et le poulet aussi. Voilà, comme ça, Lombardi va pouvoir nous préparer encore une fois des belles recettes. Voilà, mouton cuit à point, on peut en faire 8. D'ailleurs, on peut en faire plus que ça, mais on n'a plus de sel. Those refugees. I understand there's a war in Eteran. Voilà, on vient de racheter du sel. Donc maintenant, 10 poulets braisés. Voilà. 2 moutons cuits à point. Voilà. Un porc grillé. Parfait. Et 7 pains. Voilà, on a pour 12 jours de nourriture. C'est parfait. Bon, d'ailleurs, la troupe est fatiguée. On va en profiter pour se reposer. On va voir malgré tout si on peut encore acheter du sel. Non, il n'y en a plus. On va acheter de l'autre côté. Autant tout prendre. Voilà. Lombardi peut encore refaire 4 pains. Profitons-en. On est à 513 de nourriture, j'ai jamais vu ça. Bon, par contre, c'est l'heure du repos. On est de nouveau à 40, ça c'est normal. On va utiliser quelques pains, un peu de viande, une saucisse. Des fruits, un poulet. Voilà, c'est bien. On se repose. La progression a fait gagner un point de connaissance. Voilà, on va voir ce qu'on peut prendre d'intelligent. Alors, entraînement lesté pour augmenter le transport. Bon, on a réussi quand même à s'en débrouiller. Là, on va continuer avec Axe, avec le point qu'on a débloqué. Pour apprendre les arcs fantômes et les pics fantômes. Voilà, une bonne chose de faite. Allez, on va se diriger vers la prison avant de se quitter. Non, avant cela, on a oublié. On prend bien le... On collecte la prime. Voilà, c'est bien. On vérifie s'il y a un autre contrat. Il y en a de nouveau un. On va utiliser. On a négocié. On négocie encore. Ah, c'est pas passé. Malheureusement. Du coup, voilà, ce sera 247. On le fera la prochaine fois. Allez, on ressort et je me dirige vers la prison. Alors, on arrive à la prison. On va livrer le prisonnier. 65 pièces d'or. Très bien. Voilà, on repasse à 1039. Je sais pas là pourquoi les prix des poteries sont plus bas. Je sais pas ce qu'on doit faire avec ça. Donc ça, le chloroforme, on l'a déjà appris. Bon, faudra trier un petit peu l'inventaire. On l'avait fait trier par poids. Bon, écoute, cher viewer, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Sache que je réponds à tous les commentaires. Des ours! Ah bah écoute, on va pas se quitter maintenant. On va essayer de capturer un ours. On va essayer de capturer un ours. Ça nous serait très utile dans les combats.
Ah, ils sont que de niveau 1. Bon, ça fait quand même 124 points de vie, je pense que ça peut valoir le coup. Bon, ça fait un bonus pour la vidéo. Voilà, ça fait mal. On va déjà s'occuper de... Voilà. Il faut charger sur un. Ça, c'est Monique qui y va. On verra lequel sera le plus affaibli. Là, pour le moment, on est bien parti que ce soit celui-là. Voilà, si on approche, est-ce qu'on peut... Ah, d'accord. Il n'a pas fait beaucoup de dégâts. Si on vient ici, on peut le capturer. Voilà, on a un ours avec nous. Non, il n'y aura pas de fuite. Par contre, les autres, on va les affronter. Alors, Lombardi. Lombardi qui va charger sur celui-là. Ah non, c'est Maximiliano. Il est berserk, attention. Il faut y aller avec Lombardi. Il faut le terminer. Voilà, parfait. Il y a un point bonus, mais on ne peut pas l'utiliser. Du coup, là, c'est Chapeau Loup. Là, qui attaque l'ennemi. Voilà, on n'a pas assez de portée. Par contre, ça veut dire que c'est Chapeau Loup qui va prendre les coups. Ça, c'est embêtant. Axe qui frappe. Axe qui utilise le tir de recul. Un ralentissement. Bon, par contre, il n'y a pas assez de portée pour Alexis. Attention, Chapeau Loup. Bon, ça va. Je m'attendais à pire. Bah là, il y a moult choix. Hein. Sûrement Alexis qui va arriver derrière. Qui va frapper. Et c'est Monique qui va terminer tout ça. Voilà, parfait. Voilà, donc il a été ajouté à la troupe. Donc évidemment, ça va consommer beaucoup plus de nourriture. Mais bon, voilà, on a notre ours. Ça va faire plaisir à Chapeau Loup. Alors, l'ours, il a un traumatisme crânien. Déjà, on va lui donner un remède. Il va s'appeler Prosper. Bon, les points de vie, ça devrait vite monter. On va le placer ici. Au niveau du camp, on va voir où on peut le placer. Il faudrait le mettre... On va le mettre ici. Ou alors, non, on va lui demander de monter la garde. Voilà, à l'entrée du camp. De toute façon, on peut pas le mettre... on peut lui mettre de l'équipement, par contre. Ah bah ça c'est bon à savoir, je savais pas. Grande vitalité, chaque point de constitution donne plus 4 santé au lieu de plus 2. Coopérative, dégâts augmentés de 10%. Transport réduit de 3. Ah ça c'est dommage. Ah bah non, là tout c'est le malus qu'on a pris au début. En tout cas voilà, c'est bien, ça nous fait un animal. Parfait. Bah écoute, c'est sur ces images que cette fois-ci on va se quitter. J'espère que cet épisode t'aura plu, on a fait beaucoup de choses. On continuera la prochaine fois pour l'amélioration des armes fantômes, comme ça ensuite on pourra continuer la quête dans la province de Vertrus plus facilement. Si cet épisode t'a plu, comme je l'ai dit, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner, sache que je réponds à tous les commentaires. Si tu me découvres par cette vidéo, le like est fortement apprécié, l'abonnement également, comme je viens de le souligner. Et si tu souhaites véritablement soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne pour rejoindre la GeoFamily et bénéficier d'avantages exclusifs. Cela permet aussi de soutenir mon travail. Je t'en remercie. Surtout, prends soin de toi et moi, je te dis à la prochaine. Salut! Et surtout, on n'oublie pas de remercier les souscripteurs à la chaîne. Un grand merci à Ghislaine, Alexidé, MFC, TLRC, David et Bruno. Merci à vous!